En ce mois de septembre, un mois merveilleux, parce qu'il a de grandes choses en perspective pour nous. Un mois de libération, Amen. Un mois de délivrance, Amen. Et un mois de percée. Alléluia. Nous allons prendre une portion dans la Bible. Nous allons lire dans Psaume 147 et le verset 1 à 7. C'est un culte d'action de grâce. Alors, nous lui devons action de grâce, respect, révérence, joie, honneur, louange. Alléluia. Psaume 147, la Bible déclare, « Car il est beau, louez l'Éternel, car il est beau de le célébrer, notre Dieu. Il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtisse Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. » Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec des actions de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je remercie, Seigneur, ton grand nom. Je te bénis. Je te dis ma reconnaissance et ma gratitude pour tout ce que tu as fait en ce jour. Tout ce que tu as fait cet été, tout ce que tu as fait au mois d'août et en ce mois de septembre, ce que tu vas faire encore. Tu as pris le soin de bâtir nos vies, Seigneur, de tisser nos vies encore, Seigneur, cet été. Tu nous as préservés, tu nous as soutenus et en ce début de mois, Seigneur, comme tu l'as instauré, nous sommes venus te rendre gloire et honneur. Pas parce qu'on nous a, Seigneur, donné beaucoup d'argent ou quoi que ce soit, mais la vie, le souffle de vie que nous avons suffit à te dire merci. Nous ne sommes pas des désespérés, mais nous sommes des hommes pour lesquels tu as donné ta vie. Alors nous te disons merci. Ce matin, viens bénir ta parole. La Bible déclare que c'est une semence et ce matin, nous croyons qu'elle est incorruptible. C'est pourquoi nous prions qu'elle puisse agir à des endroits où il faut dans chacune de nos vies. Nous prions comme nous savons que ta parole fonctionne, la prière fonctionne et le service paye. Alors nous voulons ce matin, Seigneur, écouter et prendre, Seigneur, instruction afin d'obéir ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour vos vies ce matin. Je veux rendre gloire à Dieu pour la vie du pasteur. Je veux lui dire merci pour vos vies, ce qu'il a fait. Pour vous, chacune d'entre vous, chacun d'entre vous qui êtes partis, ceux qui sont restés, ceux qui ont pu se reposer, ceux qui n'ont pas eu le choix d'autre que de travailler, nous voulons dire merci à Dieu pour toutes choses, parce qu'il est un Dieu fidèle et il sait ce qu'il fait. Alors, ce matin, on nous rappelle le modèle, on nous rappelle que nous devons être des hommes et des femmes reconnaissants et nous devons prendre soin de faire selon le modèle. Quand nous lisons dans Hébreux 8, à partir du verset 5, alléluia. Hébreux 8, à partir du verset 5. Je vais lire ici rapidement. Il dit, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Alors il dit, est-ce loin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. Alléluia. C'est que nous faisons des choses, pas parce que nous voulons les faire, mais parce que ce sont des instructions, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Et l'accès à cette pensée de Dieu, comme il veut, il y a une façon qu'il veut que nos vies soient. Il y a une façon que nos familles, il y a une façon que nos projets, il y a une façon que nos entreprises soient. Et il veut les bâtir selon ce modèle et nous devons coopérer à cela. Alléluia. Nous voulons aligner nos intentions sur l'intention de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, c'est la journée d'action de grâce et pour nous aussi, c'est une loi perpétuelle. Alors, nous devons faire en sorte que ce choix soit respecté. C'est un choix individuel que de dire merci à Dieu
et collectivement, nous devons faire ce choix ensemble. Alléluia. Pourquoi? Parce que de la même façon que nous nous levons le matin pour choisir nos vêtements, la même façon que nous levons le matin pour choisir ce que nous devons manger, de la même façon que nous choisissons d'aller à tel et à tel endroit, nous devons vraiment prendre le soin de choisir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que ça n'aille ou pas, que ça aille ou pas, que nous soyons contents ou pas, que nous ayons ou pas. Ça doit être un choix pour nous de rendre grâce à Dieu. Alléluia. L'ingratitude, c'est un péché et qui est lui-même un danger pour nous en tant que chrétiens. Et ici, je crois que ce matin, nous avons compris que ce n'est pas notre partage. Alléluia. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible et ces promesses qui ont été vraiment énumérées, à peu près 3000, je crois qu'ils sont plus que les problèmes de chacun d'entre nous ici. Alors, nous devons apprendre à avoir confiance en Dieu afin de maintenir le cap et de rester dans sa volonté. Alléluia. Alléluia. Le doute n'a pas de place au milieu de nous. Et mon encouragement ce matin pour nous tous, c'est donc de louer Dieu dès le départ. De louer Dieu en début de mois, en début de la matinée, en fin de matinée, dans tout ce que nous faisons, nous devons reconnaître que Dieu, il est celui-là qui conduit toutes choses et nous devons le louer. Et sans plus tarder, ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu, nous allons lire dans le livre de Esdras. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Esdras chapitre 3, versets 8 à 13. Pardon. Alléluia. Amen. Nous allons bien vraiment prendre le soin d'écouter ce qui est la parole de Dieu ce matin. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. La deuxième année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au deuxième mois, Zorobabel, fils de Shaïtiel, Josué, fils de Chosadak, avec le reste de leurs frères, des sacrificateurs et des lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem. Ils se mirent à l'œuvre et chargèrent les lévites des 20 ans au-dessus. Donc, ceux qui ont 20 ans au-dessus, il y a des choses à faire. Alléluia. Même ceux qui sont en dessous aussi, je dirais. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Alors, les lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué, avec ses fils et ses frères Kadmiel, avec ses fils de Juda, des fils de Henadad, avec leurs fils et leurs frères, les Lévites se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Verset 10, c'est ce qui nous importe ici. Il dit que lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fut assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantèrent, célébrèrent et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et les lévites et les chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleurèrent quand, à grand bruit, pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Alléluia! Lorsqu'on a posé les premières pierres, il y a eu du bruit parce qu'on voyait maintenant les changements, des choses pour lesquelles les gens ont pleuré, les choses pour lesquelles les gens vraiment ont attendu après. Ils ont attendu de voir parce que la Bible déclare que le temple a été détruit, il ne restait plus pierre sur pierre. Et ça peut être le cas de ta vie. Mais Dieu dit qu'il va bâtir. Et quand il dit qu'il va le faire, il a déjà commencé. Alléluia.
Alléluia. Et donc nous voyons dans ce livre que tout le peuple s'est mis à acclamer et à louer le Seigneur quand les bâtisseurs ont commencé à poser les premières pierres. Tout d'abord ce matin, à quoi bon louer le Seigneur? À quoi bon louer le Seigneur quand on ne fait que commencer? C'est ça ma question ce matin. Quand on n'est qu'au début, quand on a seulement pris la chose et qu'on veut seulement essayer, à quoi bon commencer à louer le Seigneur dès le début? Quel est l'intérêt de louer Dieu lorsqu'on vient juste de commencer un travail? Quel est l'intérêt de louer Dieu lorsqu'on vient juste de commencer un business? On vient juste de commencer vraiment le mariage. On ne sait même pas si ce travail va débuter, va aboutir sur un CDI. On ne sait même pas si ce mariage va durer. Aujourd'hui, c'est le langage du monde. Et ça vient à l'église. On ne sait pas si le mariage va durer. Et dans l'église, on n'hésite même pas à divorcer s'il le faut. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. À quoi bon dire merci à Dieu si on vient seulement de rencontrer quelqu'un? Ça peut arriver. On ne sait pas si ça va coller, ça va marcher. Si ça va matcher, on ne sait pas si ça va durer. Pourquoi doit-on louer Dieu lorsqu'on vient juste de commencer? Tout d'abord, le point numéro un, c'est parce que la louange est un acte de foi. Quand tu commences à le louer, à partir du moment où tu as seulement mis ton petit pied, un seul doigt, une seule ongle, les organes, je ne sais pas lesquels, tu dois commencer à louer Dieu parce que c'est un acte de foi. Et la foi traite des choses invisibles. Tu ne sais pas ce qui va se passer derrière. Tu ne sais pas où est la limite. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière le rideau. Mais tu as besoin de faire confiance en la personne qui a le contrôle, celui-là qui a l'œil, le regard sur l'après. Alléluia. Et tu as besoin de coopérer avec lui. Voilà pourquoi au commencement, tu dois lui dire merci. Tu dois le louer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et donc louer Dieu, c'est coopérer avec lui et c'est d'affirmer que Seigneur, je ne sais pas, mais je sais une chose, quand tu commences quelque chose, tu l'achèves. Amen. Je ne sais pas, mais je te dis merci parce que tu as fourni ton plan. C'est un plan. Vivre en couple, c'est un plan. Amen. Commencer un travail, c'est un plan. Amen. Avoir des enfants, c'est un plan. Amen. Bâtir le ministère, c'est un plan. C'est pourquoi nous disons merci à Dieu. Certaines personnes doutent que tu puisses réussir ce challenge, bien-aimé. Il y a des gens qui attendent seulement de voir ta chute. Certaines personnes doutent que tu puisses vraiment... ils doutent que tu puisses garder ce travail. Ils n'attendent que ça. Ils t'attendent au tournant. Parce que beaucoup d'entre nous, ils connaissent nos passés. Ils savent comment nous avons vécu avant d'arriver à Christ. Mais quand tu dis aujourd'hui que je crois en Jésus, ils ne croient même pas, ils rigolent. Ils pensent que tu joues. Ils doutent que tu puisses garder le travail. Ils doutent que tu puisses réussir les études. Parce que tous les jours, tu es en boîte, ils te voient tout le temps dehors. Ils doutent que tu vas réussir l'étude. Parce qu'ils pensent que tu es toujours à ça, dans les jeux. Ils doutent que tu puisses rester fidèle à ton mari. Parce qu'on te connaît. Ils doutent que tu vas encore te laisser séduire. Que les gens vont te faire des pieds, des doigts, des yeux, des quoi. Et tu vas répondre, ils doutent parce qu'ils te connaissent. Mais ils ne savent pas que tu as décidé de faire demi-tour. Ils doutent que tu puisses te remarier un jour ou que tu puisses te marier un jour. Ils doutent même que tu puisses avoir un enfant parce qu'ils disent que c'est tard. Ils doutent que cette œuvre va prospérer. Foum. Ils vont lire l'heure. Parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui nous dépassent.
Parce que celui qui voit au-delà, c'est celui-là avec qui nous avons décidé de marcher. Il doute que tu puisses acheter une maison dans ce pays. Il doute, même le minimum que tout le monde trouve normal, eux, ils doutent que toi, tu puisses y arriver. Ils ont plusieurs sortes de doutes sur plusieurs sortes de choses te concernant. Alléluia. Ils ont plusieurs doutes. Mais Dieu n'a pas douté. Quand il a envoyé Jésus te venir te sauver, il sait que ça va marcher. Il sait que ça va marcher. Nous devons nous accrocher à celui qui sait toutes choses. Le plan de Dieu s'accomplit toujours. Il achève toujours ce qu'il a commencé. Alors nous devons dire merci. Merci parce qu'il est à nos côtés et nous sommes sûrs de réussir. Car nous ne travaillons pas seuls. Nous ne bâtissons pas seuls. Nos efforts, nous ne les fournissons pas seuls. Il y a des gens qui veulent faire des choses sans qu'on dise que c'est Dieu. Ça, c'est leur problème. Mais nous ne faisons pas seuls. Et nous refusons ici de faire seuls. Parce que s'il y a des risques dedans. Merci Seigneur parce que j'entreprends, je fais pour toi. Amen. Quand tu lui dis merci, c'est parce que tu es en train de le lever, lui dire que c'est pour lui. C'est grâce à lui. Tout pour ta gloire. Et le point numéro 2, c'est pourquoi nous devons louer, à quoi bon louer Dieu? C'est parce que la louange rend fort, bien-aimé. Ça fortifie. Voilà pourquoi Néhémie va dire dans Néhémie 8, verset 10, que la joie de l'Éternel est notre force. Cela nous rend fort que Dieu soit content de nos œuvres. Ça nous rend fort que Dieu soit fier de nous. Ça nous rend fort que nous puissions vraiment réaliser les choses avec la grâce de Dieu et les réussir. Lorsque nous faisons ce qui plaît à Dieu, nous savons quand ça plaît à Dieu. Et ça nous donne la joie. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Regardez, lorsque nous évangélisons et que nous voyons quelqu'un arriver ici, quelle est la joie? La joie que ça... Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette joie-là. Ça nous rend fort. Ça nous encourage à aller encore. Dès que vous perdez la joie, vous perdez la force. Or, si vous perdez la force, bien-aimé, vous perdez aussi votre capacité à surmonter les attaques de l'ennemi. Et vous êtes près de la défaite comme ça. Mais si vous louez le Seigneur, même quand vous ne voyez devant vous qu'un petit truc, un petit début, une petite chose, sa joie vous remplira d'énergie et vous trouverez plus facile d'achever la course. Alléluia! N'avez-vous jamais vécu des situations où une petite nouvelle, une bonne nouvelle, vraiment donne tellement de l'énergie, vous encourage à continuer, quitte à même vous surpasser? Une petite nouvelle. Vous êtes en train de prier, tout est bloqué. Et on entend juste une petite nouvelle que peut-être que ça peut. On redouble d'efforts. Bien-aimés, si vous louez Dieu seulement quand tout est facile pour vous, ou alors lorsque tout va bien, vous louez Dieu que vous êtes reconnaissant que lorsque tout va bien, alors votre louange ne sera pas profonde. Votre adoration, pardon, ne sera pas profonde et votre joie sera mesurée autant que votre force pour aller de l'avant. C'est un risque. C'est un risque. Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ est remplie de chrétiens comme ça. Des chrétiens immatures. Des chrétiens capricieux, je dirais. Lorsque tout va bien, on les entend bien, fort. Mais lorsque ça ne va pas, on entend des murmures. On entend des plaintes. On entend des complaintes. Des fois même, ils se retirent. C'est de l'immaturité. Dès qu'ils sont un peu défiés, ça ne va plus. Ils mesurent et ils calculent quand Dieu mérite la louange. Eux, ils décident de mesurer, de calculer quand seulement Dieu mérite d'être honoré. Mais il est le Dieu au-dessus de tout. Mais il souffle un peu et tu n'es plus, en fait. C'est un Dieu qui mérite la crainte, l'honneur, le respect et la révérence. En plus de l'adoration continuelle. Le point numéro 3.
À quoi bon louer Dieu? C'est parce que la louange transforme notre adoration, notre environnement, pardon. Elle a la capacité de faire descendre la présence de Dieu. Vous devez vous imaginer comment votre humeur agit sur votre époux, votre épouse. Quand vous êtes de mauvaise humeur dans la maison, quand vous êtes de mauvaise humeur au travail, ou même quand des gens, des autres qui sont de mauvaise humeur à côté de toi, au sein des groupes d'activité, à l'église, mais nous transportons la présence de Dieu. Lorsque nous sommes reconnaissants, Dieu décide d'habiter en nous, sur nous, avec nous. Imaginez ce qui s'est passé au temps d'Esdras. Un temple complètement détruit depuis des années, des siècles, et puis un jour fatidique arrive et la pose de la première pierre arrive et on voit des matériaux, on voit des briques, on voit, je ne sais pas, les ouvriers s'affairer, un mur qui sort de terre. Mais au milieu de tout ça, tout un peuple en train d'acclamer Dieu. Tout un peuple en train de louer Dieu. Et il y a les anciens qui ont vu l'état de la muraille, les anciens qui ont vu l'état de la bâtisse, les anciens qui ont vu que tout était détruit, les anciens qui ont vu vraiment qu'il n'y avait que la désolation, il n'y avait que des pleurs, il n'y avait que la souffrance, il n'y avait que vraiment tout ce qui n'était pas beau à voir. Tout d'un coup, l'espoir renaît. L'espoir renaît. Et là, le mur sort, des pierres qui sortent et ils réalisent que le temple va être construit et que les choses ne seront plus jamais comme elles étaient avant. Alléluia! C'est ce qui va vous arriver, bien-aimé. Si vous décidez individuellement de choisir de chanter, d'adorer, plutôt que de murmurer contre Dieu. Même devant les défis, de garder un bon état d'esprit. Ce qui va nous arriver lorsque nous décidons de mettre Baal à terre à la maison. Je dis maintenant c'est bon. Est-ce qu'on peut discuter un peu? Est-ce qu'on peut, on peut se pardonner les choses? Est-ce qu'on peut parler comme des adultes? Est-ce qu'on peut s'expliquer? Baal à terre. Baal à terre. Lorsque tu as blessé, tu sais, bas la terre. Il y en a qui sont vraiment, ils ne reconnaissent pas leur faute. Ils ne reconnaissent pas leur tort. Le Seigneur va prendre le soin de t'amener à un point où même si c'est toi qui as tort, tu vas demander pardon. Il va le faire et il sait comment le faire. Ça va arriver lorsqu'on travaille, quand tu seras au milieu des gens hostiles, en milieu hostile. Je ne sais pas si vous avez travaillé avec des gens dans un milieu hostile. Tu as besoin de la présence de Dieu. Et si tu ne sais pas la garder, tu vas souffrir. C'est toi qui vas démissionner alors que c'est un job pour toi. Amen. Tu dois prendre la décision. Dis Seigneur, peu importe. Moi j'ai décidé de te louer. Moi j'ai décidé de garder ma joie. L'atmosphère va changer quand tu vas prendre cette décision. Ça change quelque chose. Les problèmes ne vont pas disparaître soudainement, mais votre attitude va changer tout. Si vous louez Dieu dès le départ, avant même de répondre, avant même de bouder, avant même de décider d'être rancunier, en tout cas, je ne vais plus lui parler. En tout cas, je vais rester dans mon coin. Décider de louer Dieu. Seigneur, cette situation, je ne la comprends pas, mais je te remercie parce que tu sais ce que tu vas faire de ça. Si vous louez Dieu dès le départ, votre tâche s'accomplira plus facilement et vous réussirez dans vos entreprises. Ce que tu vois aujourd'hui, bien-aimé, j'ai fini. Ce que tu vois aujourd'hui de ta vie, l'état dans lequel elle se trouve, c'est peut-être moins glorieux que ce à quoi tu t'attendais. Nous tous, nous savons, nous venons de quelque part.
Quand je vois ma vie il y a 20 ans, il y a 10 ans, c'est pas la même. J'ai souvent l'habitude de dire que ceux qui sont venus ici, même ceux qui sont nés ici, prenez les photos du premier jour. Hein. Prenons les photos du premier jour, quand on est descendu de l'avion. Rien à voir. Nous revenons de très loin. Dieu a pris le soin de nous embellir. Il n'y a pas que l'Odyssée, hein, comme les gens ont l'habitude de dire. La présence de Dieu vaut plus. L'amour de Dieu vaut plus. J'étais la risée de tous. Je pensais que j'avais pris beaucoup de retard. C'est une parole pour quelqu'un qui croit que c'est trop tard pour moi, que je ne peux plus y arriver, que tout le monde m'a dépassé. C'est une parole et elle est certaine. Le changement s'accomplira. Et ça a déjà commencé. Alléluia. Peut-être que tu es en ce moment avec un sentiment de honte et de ce retard dans la vie. Je t'annonce que celui qui a aidé à bâtir le temple au temps d'Esdras est le même. Il est capable aujourd'hui de t'équiper d'une foi. Pour ton cas précisément, ses ressources sont disponibles et illimitées. Ne t'en prive pas. Il va stopper ce retard et c'est toi qui seras loin devant. Et les gens viendront te regarder. Ceux qui s'attendaient à voir ta chute, ceux qui t'attendaient à ce fameux tournant, ils vont te voir. Dans tous les cas, il est dans le bateau. Personne ne prendra l'eau ici. C'est une assurance que nous avons de la part de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va se noyer ici. Papa. Ce que nous avons à faire, c'est de le louer pour tout. De le louer en début de mois. En ce début de jeûne, tu dois commencer à lui dire, Seigneur, je n'ai jamais fait de jeûne de 21 jours. Mais je te remercie parce que tu as la capacité de me donner la force d'y arriver. Il marche avec nous pour apporter le salut, la délivrance, le rachat et la percée. Et comme les anciens ont pleuré au temps d'Esdras, il a eu dit qu'ils ont tellement pleuré, ils ont fait du bruit. Même les enfants, ils ne devaient pas comprendre pourquoi ils pleuraient. Parce qu'ils savaient ce qui s'était passé avant. Il y a des gens qui t'ont connu à tes débuts. Ils vont pleurer maintenant. Ils vont pleurer d'admiration à te voir. C'est ce que je suis venue vous apporter ce matin. Ma prière est que la joie de l'Éternel soit votre force. Et que votre âme vive, peu importe l'horizon qui se présente à vous. Il y a une main qui est capable de changer les choses en un claquement de doigts. Recevez cela au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Ah! Il y a un feu qui brûle en moi. En moi pour Dieu, je sens brûler ce feu. Oh.
peut pousser des cris de joie. Que le feu du Saint-Esprit reste embrasé en quelqu'un. Que le feu du Saint-Esprit reste embrasé en quelqu'un. Le Saint-Esprit est l'esprit de louange, l'esprit d'adoration. Ma prière ce matin, c'est que avec cette action de grâce, que tu entames une nouvelle saison, une saison de joie. Que la joie du Seigneur soit ta force. Si le Seigneur parle ce matin et dit, c'est au début, c'est au début. Et je prophétise sur ta vie. Si tu acceptes cette grâce de la louange, pendant que je parle, Dieu se lève pour toi et enlève les obstacles. Je prophétise sur ta vie. Quiconque met en œuvre cette instruction voit des changements rapides. Je déclare au nom de Jésus-Christ, quiconque met en œuvre cette instruction, c'est le moment. Quand il y a... Ce que je veux dire, c'est que ne sois pas orgueilleux. Il y a une aide à l'église. Il y a un colis à l'église. Venez prendre. Venez prendre. Pourquoi on doit vous supplier pour votre bien? Venez prendre, c'est l'argent du ticket de métro que vous avez épargné. Donc venez prendre. J'ai bien fait, chérie. C'était OK. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ?